Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la fonction ou tout simplement l'outil Loop Cut. Là par exemple, vous voyez, je vous montre un cube où tout simplement on a une arête qui fait le tour de ce cube. C'est très intéressant pour pouvoir modéliser votre forme. Je vous montre aussi autre chose où on s'amusera tout simplement à créer par exemple un disque dur que j'ai sous les yeux qui me permet de sauvegarder mes données. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender et on va faire en sorte de garder cette fois-ci le Edge Loop, ce qu'on appelle aussi le Loop Cut. On va se mettre en mode édition, on va sectionner. 1 sur 3, la face. On va faire un GZ pour le rétrécir un peu. Voilà. Par exemple, ici, je fais donc un, un E pour extruder. Et manque de chance, en fin de compte, ici, je voulais, je voulais aussi créer une face. Bon, n'ayant pas encore appris cette fonction, vous ne pouviez pas le faire. Si vous voyez, je voudrais tout simplement créer autour un trait. Donc, en fin de compte, c'est là que va rentrer euh, en compte l'outil Edge Loop. Vous faites tout simplement CTRL R. CTRL R automatiquement, vous voyez, vous avez une espèce de trait qui va faire le tour de votre forme. Attention, ce trait fonctionnera sous réserve que vous ayez des quadrangles, c'est-à-dire quatre côtés. Si par hasard vous avez un triangle qui est entre les deux, alors je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va utiliser la sélection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode vertice. Alors on ne l'a pas encore vu, mais il faut que vous compreniez ce que je vais vous montrer. On va faire ça, on va faire F. F, en fin de compte, c'est pour recréer une face. Ensuite, on va créer des faces. Donc pour ça, on va, on va rester toujours en 1. On va sélectionner le premier, le deuxième, le troisième, et j'appuie sur F. Pareil pour celui-ci. Premier, deuxième, troisième, et j'appuie sur F. Ensuite, je sélectionne tout le monde. Je clique ici sur Mesh, je fais Clean Up, et on va faire un Remove ball. Pour être sûr que je n'ai pas des vertices qui seraient orphelines, c'est-à-dire en trop. Si maintenant je regarde ici... Au niveau de mes faces, j'appuie sur 3. J'ai bien ici une face et ici une face. Et regardez maintenant. Je vais utiliser CTRL R. Alors. Vous voyez ce qui se passe Il ne veut pas le faire en fin de compte. Il ne veut pas. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, il y a un trait qui passe entre les deux. Et ça, c'est un triangle et non un quadrangle. Quadrangle, au minimum, quatre côtés. Et il n'en veut pas. Vous voyez, il ne veut pas par là. Par là, il ne veut pas non plus parce qu'ici... Donc faites vraiment très attention à ça. C'était vraiment la première chose que je voulais vous expliquer au niveau du Edge Loop. Sachant que vous pouvez y accéder ici. Vous voyez, c'est marqué ici. Alors, on aura deux fonctions enfin, quand on a Loop Cut. Loop Cut, c'est pour créer un trait tout autour de votre objet, sous réserve que ceci ne soit pas, qui est pas, si vous voulez, un triangle. Si je prends un autre exemple, alors là, on va supprimer celui-ci. On va prendre, par exemple, l'UV-sphère. Vous pouvez ici mettre, par exemple, 16 côtés. Voilà. Et on va laisser 16, 16. Très bien. Donc là, je mets mon mode édition. Je vais vouloir faire en sorte de créer un trait. Je fais CTRL-R, pas de problème. Vous voyez, je peux le faire ici. Mais si je le fais ici, ben ça ne marchera pas. Regardez. Qu'est-ce qu qu'il s'est fait Qu'est-ce qu'il a fait, pardon Il s'est arrêté là où il a vu un triangle. Enfin, quand il ne sait pas faire. Dès qu'il y a un triangle, lui, il ne comprend pas. Donc faites vraiment attention quand vous ferez de la topologie au niveau de votre objet. C'est-à-dire que il y a vraiment une des règles d'or en informatique ou en 3D, plutôt, devrais-je dire. Il faut avoir une forme euh, le plus propre possible, c'est-à-dire avoir une belle topologie. Très souvent, quand on fait de la 3D, il faut éviter les triangles. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il faut les éviter. Plus vous aurez des quadrangles, c'est-à-dire des quatre côtés ou un peu plus, ce qu'on appelle des n plus ce sera facile pour modéliser par la suite. Revenons maintenant au cube. Hop, je prends un cube. Très bien. Tout à l'heure, je vous disais de faire, si vous faites CTRL-R, ici en mode édition, vous avez un élément. Avec la molette de la souris, vous allez pouvoir multiplier les éléments. voyez Je diminue ou j'augmente. Si vous cliquez une fois, vous allez pouvoir déplacer votre élément. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire tiens, je veux que ce soit plutôt par là, plutôt par là, et ainsi de suite. Donc là, si par hasard, vous le laissez tel qu'il était, vous appuyez sur Escape et automatiquement, celui-ci va se remettre. C'est-à-dire, euh, il va à chaque fois partager votre élément en deux. En gros, regardez, je fais CTRL Z pour annuler et je recommence. Je fais une fois, vous voyez Il est bien au milieu de votre forme. Et ici, à chaque fois, il fait en sorte de définir une découpe proportionnellement au niveau de votre cube. Donc vous avez un tiers, un tiers, un tiers. Et là, par exemple, si je fais ça, on aura un quart, un quart, un quart, un quart. D'accord Lorsque vous faites, lorsque vous servez de l'outil ici Loop Cut, donc c'est ici, vous hein, voyez Loop Cut, je clique ici, vous avez automatiquement ici une présélection. Vous allez pouvoir définir le nombre de cuts, c'est-à-dire le, le nombre de coupures, tout simplement, et la corrective UVS, ça, on verra ça bien plus tard. Donc imaginons ici, je vais vouloir une seule coupe. Donc là, je vais sélectionner ici en présélection 1 et je fais ça. D'accord J'appuie sur Entrée. Maintenant ici, puisque c'est comme d'habitude, vous voyez, on a la présélection. Si ici si, j'augmente, il ne se passe rien. Normal. Puisque c'était la présélection. Je reviens ici, on a différentes informations très intéressantes. Vous avez bon pouvoir ici, vous voyez. Modifier. Alors c'est toujours pareil. Hein, sous réserve que vous ne touchez pas à d'autres outils ici. Si Ce coup, vous touchez par exemple au, au... à l'extrude. Voilà, c'est fini, hein, vous ne pouvez plus rien faire. Ici vous allez pouvoir smousser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire en sorte que votre forme, voyez, je vous montre, elle va un peu smousser, c'est-à-dire qu'elle va lisser votre forme, elle va arrondir votre forme. Voilà ce que ça veut dire. Vous avez différentes falloffs. Donc, falloff, en fin de compte, ça va être un, un amortissement. Enfin, ce n'est pas un amortissement, c'est un. comme un lissage, un type de lissage. Donc vous aurez un lissage smooth. Vous aurez donc, vous voyez, c'est une atténuation, en fin de compte en forme de sphère, vous pouvez avoir quelque chose de plus ardu, et si je fais ça, alors c'est évident sur certains trucs, ça dépend. Hein. Là, si si je fais linéaire, lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait quelque chose de plus cubique, on va dire, de plus, euh, plus raide au niveau des arêtes. Le factor, alors là, ce que je vais faire, je vais me mettre comme ça, par exemple, et le factor, bah, ça va, tout simplement, vous voyez, modifier le déplacement des arêtes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, ok, je vais plutôt plus à droite ou plus à gauche. Et si vous le mettez ici à 0, ben vous serez exactement au centre. C'est-à-dire qu'ici, je mets 0, je sais parfaitement au centre. Donc, si maintenant je prends la fonction Even, alors avant, je vais vous faire quelque chose comme ça. On va faire ici euh, 3 Edge loop. On va faire comme ça. Ici, je vais faire CTRL R on va faire pareil, 3 Edge Loops. Je vais récupérer, par exemple, en appuyant sur 2, celui-ci. Alors, pardon, il a été sectionné j'ai dit celui-ci, Shift enfoncé, celui-ci et celui-ci. Avant, pardon, je vais faire aussi trois edge loops. Je recommence. Je vais vouloir donc sélectionner. Alors on va dire euh, celui-ci, 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 celui-ci. En fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est les 9, enfin non, les 12, pardon, edge Loops. Là, je vais faire G Z pour tout simplement monter comme ça, vous voyez Très bien. Donc là, je vais faire en sorte maintenant de créer mon Edge Loop. Je fais CTRL R et tout simplement, je fais mon Edge Loop. Alors ce qui se passe ici, vous voyez, c'est que celui-ci prend la forme. Plus je vais me rapprocher, plus celui-ci va prendre la forme donc, du dessus. Et si par contre, je vais plus bas, celui-ci va prendre la forme à plus rectiligne. Donc par exemple, on va se mettre ici et on va regarder un petit peu au niveau des options. Alors ici, vous avez Even. Even, en fin de compte, va tout simplement créer un trait droit. C'est-à-dire qu'il ne va, se... va pas se prendre la tête. Fait-moi, c'est tout droit. Comme ça, au moins, vous avez quelque chose de nickel. Et si vous cliquez ici sur Flip, en fin de compte, comme il vous dit, c'est quand le mode égal est actif, celui-ci intervertit les boucles d'arêtes adjacentes. C'est-à-dire que tout simplement, il reprend la forme, vous voyez, à l'identique de celui-ci. Et Clamp, ben, on l'a vu la dernière fois, c'est tout simplement pour limiter aux dimensions de l'arête. Et Correction UVS, c'est toujours pareil, c'est par rapport aux UV, je vous en parlerai bien plus tard. Alors, si je vous montre une dernière chose très intéressante, donc là, je vais supprimer celui-ci, je vais faire en sorte de mettre. Un UV sphère. Je ne vous ai pas expliqué comment sectionner se un hein, edge loop. Donc là, quand vous cliquez ici, vous allez sélectionner un élément. Pour sectionner le contour ou l'ensemble des éléments qui fait le tour de ma sphère, ou de mon UV sphère, vous pouvez faire ça avec Shift, vous voyez, et dire tiens, alors à partir d'ici, je vais appuyer après sur CTRL, automatiquement, premier sélectionné, dernier sélectionné. Et au bout d'un moment, vous allez réussir, en appuyant encore sur CTRL, à faire le tour. Bon, c'est un, euh, un peu archaïque, je trouve. Pour faire tout simplement récupérer euh, un, un, un loop cut, vous appuyez sur Alt et vous cliquez une fois. Et vous voyez automatiquement, vous aurez la sélection complète de votre élément. Sous réserve, comme je l'ai dit, que vous n'ayez pas de, de triangle. Si vous avez un triangle, automatiquement ça ne marchera pas. Rappelez-vous, si je le fais ici, je fais un CTRL R. Celui-ci s'arrête. Parce que tout simplement ici, il y a un triangle. Donc il ne va pas faire le tour complet de, ma, de mon sphère ou de ma sphère, tout simplement. Donc là, je vais vouloir sélectionner par exemple par vertice. Donc vous voyez, j'ai tous mes points. Je me mets euh, à peu près ici, mais vous voyez, je ne me mets pas au niveau du point. J'appuie sur Alt et je sélectionne. Si par contre je fais pareil, j'appuie sur le point ici, donc je me mets sur le point, j'appuie sur Alt, je vais sélectionner, en fin de compte, alors ça dépend des fois, je me mets ici, je vais sélectionner celui-ci, mais des fois vous allez sélectionner celui-ci. Regardez, je me mets un tout petit peu en retrait. En fin de compte, ça dépend le curseur à quel endroit il se trouve. Donc moi je vous conseille plutôt, quand vous êtes en mode vertice, de vous mettre à côté de votre vertice, dire, tiens là je veux la ligne par ici. Donc horizontale. Et ici, si je me mets ici, je veux la ligne verticale. Toujours en appuyant sur Alt. Vous voulez plusieurs Edge Loops, vous appuyez sur Shift Alt. Et là, vous allez pouvoir tout simplement avoir plusieurs Edge Loops. D'accord Donc là, maintenant, si on garde la section au niveau des faces, et on va se mettre en 3, on va sélectionner, par exemple, ici. J'appuie sur Alt. Je vais sélectionner ma portion. Vous avez vu, parce que je me suis mis comme ça. Si je veux sélectionner plutôt de ce côté-là, je veux celle-là et l'autre. Je vais Shift Alt. Et là, je sélectionne l'ensemble. D'accord Là, cette fois-ci, il n'y a pas de triangle qui croise, qui, qui, enfin, compte qui coupe. Donc, il me fait bien la sélection complète autour de ma sphère. Vous verrez que c'est très intéressant. On arrive vraiment à faire des très belles choses avec ça. Alors maintenant, c'est surtout à vous de commencer à modéliser. Vous voyez, je vous ai appris pas mal de choses intéressantes au niveau de la modélisation. Maintenant, à vous de jouer avec. Tout ce que vous voyez au niveau de... de tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez, par exemple, vous voyez, j'ai un petit clavier numérique à côté de moi, mon ajout de clavier numérique, ou à côté, je vois un disque dur, je dis, tiens, disque dur, comment je pourrais le faire ben, Je vais faire Shift A, je vais faire un cube. Alors là, je vais vous expliquer tout ce que j'ai pu, on va dire, euh, tout ce qu'on a pu voir ensemble. Je sélectionne mon élément, je fais un GZ, par exemple, je vais mettre comme ça. OK. Là, je vais sélectionner ma face, pareil, je vais faire un GX, et je vais mettre à peu près. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ensemble. Hop, pardon, je le désactive, on n'a rien vu. Et là, je vais me mettre comme ça. Bon, on dit super. Moi, ici, maintenant, je voudrais plutôt faire un edge loop. Je fais un petit CTRL R. Je me mets ici. On va en faire deux. Pof, impeccable. Ici, ce que je peux faire, c'est par exemple un S. Et vous voyez, on commence déjà à faire la forme. Après, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir Alors, je vais faire. Donc là, je vais me mettre en mode 3 pour la face. Je sélectionne ma face. Je fais un CTRL B. Rappelez-vous, hein, le bevel. Et je vais faire un petit bevel ici. Avec quelque chose comme ça. OK. Je vais faire de même ici. Je sélectionne mon élément. CTRL-B et on a quelque chose comme ça. Et vous voyez, on vient de faire un semblant de boîtier de disque dur. Après, il faudrait faire autre chose, évidemment. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, il faudrait mettre comme ça. Il faudrait commencer à mettre des loops ici pour pouvoir créer, en fin de compte, l'entrée au niveau d'un extrude. Donc, par exemple, imaginons ici, je mets en 3, j'appuie là, je fais un ES pour pouvoir un petit peu faire quelque chose comme ça. Après, je fais un E pour extruder à l'intérieur et on va commencer à faire la prise. Après, n'ayant pas encore vu les curves, je ne peux pas vous expliquer comment faire le câble. Mais voilà déjà le genre de choses que vous pouvez vous amuser à dessiner. Avec les différents outils que je vous ai expliqués, en l'occurrence les outils de base, c'est-à-dire la translation, le scale, la rotation et ainsi de suite. Maintenant, je vous ai montré aussi comment faire les extrudes, insérer des faces, les fameux bevels et on a vu maintenant le fameux loop cut, ce que vous appelez le offset edge loop cut ou alors le loop cut tout simplement, c'est-à-dire le contour. Hein. cest que là, vous voyez, je peux faire d'autres contours et ainsi de suite. Alors, chose importante aussi, euh, lorsque vous allez vouloir utiliser les icônes, moi j'avoue que je n'aime pas trop les icônes, je préfère utiliser les raccourcis clavier, c'est votre choix, à vous de voir. Ben là, vous n'allez pas pouvoir, en fin de compte, vous servir des, du nombre de edge loops, voyez. C'est tout simplement, automatiquement, par le biais de ces petits éléments. C'est-à-dire que là, si je fais ça, je fais une fois, vous serez obligé de cliquer ici pour multiplier. Bon, ce n'est pas très grave, mais moi j'avoue que je préfère, dans mon cas, donc là, je vais faire pomme Z, ou CTRL Z, Ici, je vais cliquer tout simplement ici. Moi, je vais faire un CTRL-R et je vais pouvoir, grâce à ma molette, agencer, dire tiens, je veux plus par là, plus par là. Alors après, vous verrez aussi que le Edge Loop, quand on commencera à utiliser le Subdivision Surface, c'est-à-dire ici au niveau du modifieur, on verra ça un peu plus tard, que le Edge Loop est très important parce qu'il va permettre d'affiner, en fin de compte, votre cube ou votre forme. N'oublions pas que votre forme, on va dire, elle est brute pour l'instant. Là, le but de créer. Alors, on peut faire de différentes façons. On peut créer de... sans des modifieurs, parce que les modifieurs avant n'existaient pas. Ils ont été greffés au fur et à mesure des années sur Blender. Ils sont évidemment plus pratiques. Là, je vais vous montrer de ce pas ce que ça peut donner. Si je clique ici et je fais juste un subdivision de surface. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci il a rajouté en fin de compte une multitude de, de... de côtés. Alors là, on ne voit pas trop. Si je fais ici, par exemple, View, vous voyez ce qui se passe Ça multiplie. Parce que tout simplement, je n'ai pas cliqué une option afin qu'on voit tout le maillage, ce qui se passe. Je trouve même que c'est plus agréable comme ça, parce qu'au moins, on peut travailler proprement. Voilà, bah écoutez, donc je n'en dirai pas plus, donc là, je vais l'enlever. Je n'en dirai pas plus au niveau de l'outil euh, Edge Loop. Essayez de vous amuser à dessiner des objets, essayez de vous amuser à créer tout ce que vous pouvez voir, avec ce que j'ai pu vous donner pour l'instant comme base, et vous verrez qu'on s'amusera à faire des belles choses ensuite. Là aussi, n'oubliez pas qu'au niveau des couleurs dans les matériaux, vous pouvez faire New et ajouter une couleur. Par exemple, ici, je vais mettre un rouge. Alors là, pour l'instant, vous ne verrez rien. Par contre, si j'appuie sur Z et je fais un rendu, mon matériau sera rouge. Là aussi, regardez un petit peu avec Z, je vous expliquerai ça plus tard, mais vous avez ici un laboratoire de développement où vous allez pouvoir commencer sans mettre de texture, mais au moins des couleurs à jouer avec. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure, mais voilà ce que vous pouvez faire déjà. Et si on finit par la deuxième fonction, qui est celle-ci, donc on va sélectionner un loop cut. Simplement, on va cliquer ici. Alors, vous pouvez accéder tout simplement avec Shift-Ctrl-R. Et ici, en fin de compte, on va vouloir créer tout simplement un Edge Loop de chaque côté. Regardez, je vais faire ça. Et vous voyez, automatiquement, vous avez ça. Et vous retrouvez ici les deux cases qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire Even, Flip et Clamp. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus, en tout cas au niveau de l'outil euh, Edge Loop. Voilà, c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Donc, vous avez bien compris qu'on va utiliser très souvent ce Loop Cut qui est un outil très intéressant. Je vais continuer à vous présenter quelques outils et ensuite on commencera à modéliser quelques formes pour que ce soit plus intéressant pour vous, bien évidemment. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye